Ninkos commençait son aventure dans le monde des combattants et choisit Goku le Saiyan. Ah là 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 là, j'ai hâte, non, on ne donne pas de surnom, hein. Goku c'est Goku, hein. Voilà. Ce dernier faisait la rencontre de ses premiers combattants et il les a battus assez facilement. Sabre, hein, bien sûr. Oh, le coup critique. Oh là là, Goku là, il rigole pas, hein. Elle a décidé de pas rigoler, hein. Après avoir livré un collier au docteur Brief, Ninkos reçut son scooter ainsi que 5 capsules, permettant ainsi d'avoir de nouveaux combattants. On reçoit 5 capsules qui remplacent les Pokéballs. Ah là 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 là, oh là 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 là. Les nouvelles rencontres seront-elles l'opportunité d'avoir de nouveaux combattants ? Les premières rencontres de Goku, la Z-Team se construit. Et voilà, on est reparti, hein. Mais juste avant, une petite chose, lors des fins d'épisode, comme lors des débuts, hein, je vous ferai pas de... comment dire, de signe de politesse, parce que bon, le narrateur, c'est-à-dire la voix off, c'est-à-dire moi, s'en chargera tout simplement. Donc écoutez, on est parti pour capturer notre premier Pokémon, si tout se passe bien. Attention! Oh! C'est un Saibaman! Ah! Je sais pas si vous vous rappelez ces créatures-là dans Dragon Ball Z. On les rencontre lors du début de la série, en fait. Tout simplement. Eh bien, écoutez, on va en capturer un. C'est lorsque on les combat avec Nappa et Vegeta, je crois. Et voilà, capturé du premier coup. Donc, pour vous dire, en fait, l'animé, quand je l'ai commencé... Oh, attendez, une petite créature qui est le résultat d'une étrange graine plantée dans le sol, non ? Je sais pas. Elle peut projeter de l'acide en ouvrant son crâne. Ah oui, oh là 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 là. Non. Donc l'animé Dragon Ball, je l'avais jamais vu et je l'ai commencé tout simplement. De type plante et sol. Ok, très très sympa en tout cas. Eh bien écoutez, on va le mettre en première position d'ailleurs. Donc ouais, l'animé, je l'ai commencé à partir de janvier 2018 et je l'ai fini ce mois-ci avec Dragon Ball Super en septembre 2018. Tout simplement, j'ai quand même mis 8 mois pour tout regarder. Hein. J'ai vu les films, les OAV, mais tout une fois. Hein, donc bon, j'aurais pas des souvenirs hyper précis, mais il y a des trucs quand même qui m'ont marqué. Donc ça sera inévitable, hein. Il y a des choses, ça sera inévitable. Ça, c'est sûr. Allez, une petite griffe. Nous, on fait un punch. Punch! Waouh! Ok, tu me baisses la défense, mais c'est pas grave. Eh, c'est sympa, hein, de type plante et sol. Ok. Attendez, mais j'ai même pas... Ah, mais si, il a griffe et gros yeux, je crois. Ok, on va continuer. On va essayer d'attraper le... Voilà. Le BHF. Ok, baisse mon attaque. On va changer de combattant. On va prendre Goku. Ok. Une petite attaque Blade. Un petit punch. Qui fait bien mal quand même. Et du coup, on va le capturer. Avec une capsule. Allez. Yes. On les capture tous du premier coup. Ça fait plaisir. Alors, ce bandit peut voler les équipements des gens. Ouais. On peut pas... éviter son chemin ou je sais pas, bon.
Excusez-moi pour la traduction encore une fois, mais bon, tant que vous comprenez, au pire ça me va. Au pire, moi, en off, j'ai le temps de comprendre, et puis voilà. Alors, bon, il a pas l'air très fort. Oh, Blade! Ah d'accord, ok, c'est une attaque acier. C'est bien parce que les attaques sont customisées en plus, c'est parfait. Qui correspondent en plus à l'univers Dragon Ball, hein. Que demander le peuple? Que demande le peuple, franchement? Ok. On va le mettre en première position parce que ça peut être intéressant. Et nous revoici dans le village d'Aru. Ok, on va soigner nos combattants, hein, bien sûr. Nos combattants, hein. Alors, ouais, ok. Bon, eux, ils disent la même chose, à mon avis. Mais sauf qu'ils remplacent le mot Pokémon par combattant. Alors, attendez. Est-ce que c'est différent aussi, là? Il y a des choses différentes? Non, je pense pas, bon. De toute façon, c'est pas si grave que ça, hein. Hop, on va se soigner. Et puis, on va continuer à capturer d'autres combattants. Ça fait bizarre de dire ça. On va dire qu'on va apprivoiser d'autres combattants et on va devenir leur ami. Tiens. On est leur maître, en fait. Quelque part. Alors, on peut acheter des capsules, des potions. Ok, bon. Ah là là, c'est parfait. Je vais en acheter 10. Allez, 10. C'est quoi, je suis fou. Ah, on n'a même pas d'Honor Ball. Ok, bon. Bon, c'est pas si grave, hein, au pire. Allez, hop. Voilà. Et on va s'acheter ça aussi. Je pense qu'on est pas mal. Bon, je parle quand même à tout le monde parce que... Ok, bon. Allez. On est parti pour... Vous allez voir où on va aller. Alors d'abord, est-ce qu'il n'y a pas... Ouais, ok. Bon, là, ça dit la même chose. Ouais, ok, on s'en fout. On part d'ici, hein. Et, alors... Oui, j'ai des combattants. Attends, qu'est-ce qu'elle dit? Ok. Faut qu'elle passe par la forêt du Nord pour aller à la ville du Saiyan. Enfin, voilà. Ok. Et ici... Ouais, ici, je suppose qu'on ne pourra pas y aller, hein, bien sûr. Avec le vieillard qui mate je ne sais pas quoi, mais bon. On s'en fout. Allez, on est parti. On continue, hein. Route 22. Oh, attention. Eh oui, Yamcha, coucou Yamcha. Ah, sacré Yamcha. Bon, on va reprendre Goku du coup. Allez. Oh, il me fait un kick. Ok. Attention, hein. Ok, on lui fait bien mal quand même. Et on peut le mettre dans une capsule. Allez. Et en un coup... Oui, encore une fois, bien. Alors, Yamcha. Ah, j'ai hâte de voir ce qu'il vaut. Alors, oh là là, mais... C'est parfait parce que... Les descriptions, mais... Tout est modifié, hein. Alors, avant qu'il devienne un apprenti du maître Muten Roshi, c'était un bandit. Ses techniques qu'il apprend sont grâce à viennent de son maître, quoi. C'est grâce à son maître qu'il a appris ses techniques. Ok. Ok. Non, mais c'est tellement bien. Ah là là, Yamcha, ah là là, mais regardez-moi ça. Ok, les deux types combat normal. Alors combat, ça veut dire qu'il se bat, mais il est de type normal aussi parce que
À mon avis, c'est parce que c'est un terrien. Donc il a tempo perso, d'accord, et il a kick. Ah, d'accord, ok, c'est une attaque combo de puissance de 50. Ok, ok, sympa. Bah écoutez, on va mettre... on va laisser BRTF. Au moins, on baisse l'attaque des combattants. Alors, je sais qu'il n'y a pas que Yamcha, hein. Bon, pas encore Yamcha, mais on va le combattre, tiens. Allez, au moins, on baisse son attaque. Hop là. On va prendre Goku. Parce que c'est Goku qui finit tous les combats, hein. Yamcha contre Goku. Bon, attention. Mais on va lui faire mal avec un punch. Ah non, même pas. Attendez. Mais il est de type combat normal. Attendez, c'est bizarre. Attendez, je viens de me demander un truc là. Est-ce que les rapports des types sont pas modifiés également? Parce que je me rappelle que le même ennemi là, le BRTF, m'avait fait l'attaque Blade alors que Goku est de type feu combat. Et normalement ça n'aurait pas dû être efficace, mais ça a eu une efficacité normale. Oh, ça peut être intéressant d'identifier tout ça aussi. Ah ouais, non, mais franchement, c'est très très bien là. Bon, encore Yamcha, il n'y a pas que lui normalement, vous allez voir. Ok, bon, il intimide, au moins il intimide, c'est très bien. Allez, encore Goku. C'est parti. Il me fait une attaque kick, ok, bon. Ça va, hein. Franchement, on résiste bien. Bon, il est au niveau 4, hein, quand même. Ok, bon, ça devrait aller, sauf coup critique, hein. Ok, c'est bon. En plus, on va passer au niveau 8, c'est parfait. Allez, niveau 8. Hop, là, voilà. Oh, Kaioken Rush! Waouh. Alors, voyons voir le Kaioken Rush. Oh, 80 de puissance! Oh là là! Alors, une violente ruée avec le Kaioken. Ça peut augmenter l'attaque en plus. Alors ça, c'est une superbe attaque. C'est une superbe attaque, franchement. On va aller se soigner, hein. Vite fait, quand même. Hop. Allez, c'est parti. Oh là là. Mais quand j'ai découvert Dragon Ball, je me suis dit... Oh, mais je vais jamais tout finir. Et mon Dieu... Enfin, je regrette pas d'avoir fini, hein. Oh là là. C'est... Franchement, c'est là que j'ai vu... Combien d'animés se sont inspirés de ça? C'est absolument... Y a pas de... Enfin, c'est incroyable. Toriyama, c'est incroyable. Hein. Franchement. Maintenant, je comprends. Je peux comprendre certaines choses avec l'enthousiasme qu'il peut y avoir avec cette série. Avec cette œuvre même. Ok, un Saibaman. Tiens. Et on prend son temps, hein. Allez, une petite attaque Blade. Il est de type plante sol, lui, hein. Bon. Ok, on lui fait rien. mais genre, absolument rien, mais bon. Attendez, j'avais regardé ses attaques à... Non, oui, mais bon, c'est bof, quoi. Allez, on reprend Goku. Et ça ne rigole pas. Oh, on peut tenter le Kaioken Rush après. On va pas le faire durant ce combat. Allez. Moi, je veux attraper... Allez, s'il te plaît. Ah, c'est pas encore celui que j'espère. Bon. C'est pas grave. Je ne fais pas de coupure.
Ah, je ne fais pas de coupure. Les épisodes dureront tels qu'ils doivent durer, puis voilà. Il y aura tel nombre d'épisodes, et puis voilà, ne m'embêtez pas. De toute façon, on s'entraîne, et puis voilà. Kaioken Rush! C'est trop puissant cette attaque. C'est trop puissant! C'est incroyable! Ah, niveau 3, bien! Ok, bon. Bon, il est pas très fort, hein. Ok, bon, on va même changer de combattant. On va mettre Yamcha, tiens. Allez, go! Go, Yamcha. Allez, s'il te plaît. Ah, c'est pas encore celui que, auquel je pense. Sérieux, quoi. Allez. Oh, mais tu rates avec... Oh, mais Yamcha, s'il te plaît. S'il te plaît, Yamcha, fais un effort. Voilà, c'est déjà mieux, là. Griffe qui fait un peu mal, mais ça va, en fait. Ok. On devrait le mettre KO. Ah, même pas. Ok, on a de la chance qu'il fasse que gros yeux. Oh non, il a raté de... Non, il a encore raté une fois, là. Bon, s'il rate encore une fois, c'est abusé. Ok, c'est bon. Tout, 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 tout. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Allez, là. Ah. Oui. Ah, Kulilin, Krilin, yes. Voilà, c'est lui que je voulais voir. Oh, il me fait mal, hein, en plus. Oh, il me fait mal, il me fait mal. Ok, on va y aller doucement. On va baisser son attaque avec le BATF. Allez. Ok, ça va. Oh, il m'attaque encore. Ok, ça va. Ok, ok. Je pense qu'on va pouvoir le capturer. Allez, allez, allez. Hop là. Et de 1, et de 2, et de 3. Et voilà, yes. Il est aussi dans notre équipe, c'est parfait. Alors... Alors, c'est un disciple de Muten Roshi, son courage est... Et comment dire... je sais pas... Ah, je ne sais pas ce mot-là. Et son... Et sa force, non. Enfin, je sais pas. Et sa détermination pour s'y aller fait sa force, ouais, bon. Je crois que c'est un truc comme ça, hein. Ne m'en voulez pas si c'est pas ça. Alors, ah yes, Kulilin. Ah, il est timide de nature, mais non, mais il a... Ah, j'ai pas des bonnes natures, calme, gentil et... J'ai pas forcément des bonnes natures, hein. Il est aussi de type... ok. Ah, lui, il a un point karaté, ok. Ah, il se réveille plus rapidement, ok, très très bien. Eh bien écoutez, on va soigner tout ça. Non. Et on va faire combattre tout ce petit monde. On est à... Ok, on est... Ça va. On est dans les temps. Allez, c'est parti. Hop. Tout, 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 tout. Voilà. En plus... j'y pense, mais celui qu'on a pris en premier, c'est Goku. Et Starmie, lui, il a pris Vegeta. J'ai hâte de la Ligue. J'ai vraiment hâte pour la Ligue. Parce que bon... Il va y avoir les transformations, tout ça. ça me donne envie, hein. Allez. On va faire cette formation-là. Hop là. Yamcha, Kulilin et Goku. Hop. Parce qu'on est parti pour combattre. Hey, Linkos. Alors. Oh, la Ligue du Dragon. Ok. Donc, il me faut des badges. Ok, ouais. Bon.
T'inquiète pas. Alors, il a quoi comme... Ok, Beartief. Oh, niveau 9 quand même par contre, hein. Oh là là, il est au niveau 9. Je sais pas si je vais tenir le coup, là. Ok, ça va, ça va. Bah, je vais faire un Kaioken, hein, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, Goku, il va falloir que tu y ailles à fond. Ok, il me fait encore Blade, ça va. Oh là là, mais cette attaque est excellente. Mon dieu, cette attaque! Cette attaque est hyper puissante. Yamcha niveau 4. Ok. Bon, j'imagine que Yamcha et Kulili ne vont pas rester tels qu'ils sont. Ils vont avoir différents stades de montée de puissance, donc évolution, hein, j'imagine. Enfin bref. Allez, Vegeta. Haha. Kaioken Rush. Allez, allez, allez. Je n'en fais qu'une bouchée du Vegeta. Bah alors, Vegeta. Vegeta. Ok, niveau 9, Goku, bien. Hop là. Presque niveau 10, hein, en plus. Ah, t'as eu de la chance. Hein. Alors, j'ai entendu que la Ligue du Dragon est... Et... Ouais, puissante, quoi. Enfin, voilà. Hein. J'ai pas envie de traduire pour perdre du temps, quoi. Surtout que je suis un petit peu... bof, en traduction. Bon, bref. Je pense qu'on va les soigner. On les soigne, ces combattants. Ils l'ont bien mérité. Ils ont bien mérité un petit peu de repos. Voilà. C'est très bien comme ça. Ça sera très très bien comme ça. Allez. Hop. On va se diriger vers la forêt du Nord. Et non de Jade, bien sûr. Alors, on va juste voir le faux Muten Roshi, tiens. Non, on peut même pas, quoi. Ah, bon, il faut lui parler de l'autre... attendez, on avait été ici? Ah, tiens, attendez. On va juste rallonger un tout petit peu l'épisode, hein. Rien de bien méchant. La 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 la... La la... Bon, lui, il va mieux, du coup. Vu qu'il bloquait le passage. Alors... ok, bon. Écoutez, et c'est ainsi que débutent les aventures de Goku et ses compagnons. Ensemble, ils devront défier plus fort qu'eux pour se surpasser. Ah là là, ça va être tellement bien la suite. On s'arrête là. Mais ils ne savent pas ce que le périple leur réserve. Ce n'est que le début.